Ah, vous êtes là. Alors non, aujourd'hui nous n'allons pas parler de basket. Ce soir, à Istres, il y a la Saint-Patrick, une belle fête qui est organisée à la Halle Polyvalente, qui a lieu depuis l'an 2000. Et je souhaite y aller parce que j'adore la musique folklorique, j'adore l'ambiance de la Saint-Patrick. Et du coup, je souhaite vous emmener avec moi, amener ma caméra ou mon téléphone, je sais pas quoi, pour vous faire un vlog sur cette soirée. Mais avant ça, on va un peu parler de la Saint-Patrick. Quelle soit l'origine et surtout, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai bien dit, qu'est-ce que c'est? Le 17 mars fait référence à la date d'anniversaire de la mort de Saint-Patrick en l'an 461. Considéré encore à ce jour comme le saint patron de l'Irlande, Saint-Patrick est né au 4e siècle en Grande-Bretagne. Fils d'un diacre, il aurait été enlevé alors qu'il était âgé de seulement 16 ans. Là, il serait devenu un esclave d'un druide irlandais. Après plusieurs années passées à travailler comme berger en Irlande gaélique, il serait parvenu à s'enfuir. C'est alors qu'il aurait décidé d'étudier la théologie afin de devenir un prêtre catholique. Puis, il serait rentré en Irlande avec une mission, évangéliser tout le pays. Encore à ce jour, le missionnaire est connu comme étant le fondateur du christianisme irlandais. Et selon la légende, il aurait tenté d'expliquer la notion de la Sainte Trinité à l'aide d'un trèfle, incontournable symbole de la fête de la Saint-Patrick. Mais c'est au XVIIe siècle que l'Église catholique décide de reconnaître la Saint-Patrick comme une fête religieuse. Puis, en 1631, le pape Urbain VIII déclare la journée du 17 mars comme le jour de la fête de la Saint-Patrick. Enfin, la fête religieuse se transforme finalement en fête populaire en 1903, lorsque le 17 mars est officiellement déclaré jour férié en Irlande. Et ce n'est seulement qu'en 1931 que toute la première parade de la Saint-Patrick se déroule en Irlande. De nos jours, la Saint-Patrick est fêtée dans le monde entier, généralement dans des bars en écoutant de la musique irlandaise. On pourrait croire qu'en France, c'est surtout les Normands et les Bretons qui fêtent la Saint-Patrick. Alors qu'en fait, non, pas seulement. La France entière fête la Saint-Patrick, même en Provence, comme à Istres où nous sommes là ce soir-là. Après une pause de 7 ans entre 2015 et 2022, le festival est de retour et elle est considérée comme une des soirées de Saint-Patrick les plus populaires de la région PACA. J'y étais donc en 2022 pour la première fois et j'ai eu la chance de découvrir le groupe écossais Manran, dont j'ai eu un gros coup de cœur. Le baguette du pays d'Aix ouvre le bal de la même manière qu'il a lancé les festivités dans les rues du centre-ville le matin même. Cette fois-ci, les musiciens étaient tous vêtus de costumes, contrairement à la déambulation précédente. Fondé en 2004, ce baguette représentait un défi audacieux dans le pays du Pastis, loin des terres bretonnes. Pourtant, cette initiative s'est avérée être un succès retentissant. Ils ont eu l'opportunité de partager la scène avec des grands noms du genre, tels que Trian ou encore Carlos Munez. Les membres du groupe ont des origines diverses, mais partagent tous un amour commun pour la musique celtique.
Le seul groupe non français de la soirée est d'originaire d'Irlande. Bon, je ne vais pas risquer de prononcer leur nom car je ne sais pas du tout comment le faire, mais ces 5 jeunes musiciens nous ont offert un mélange de compositions légèrement teintées de rock et de mélodies instrumentales à l'énergie contagieuse. Ils ont été considérés comme l'un des coups de cœur du festival interceltique de Lorient, émergeant comme l'un des groupes les plus originaux de la scène irlandaise actuelle, selon ce que je lis. En tout cas, ce jeune groupe a vraiment créé une belle ambiance ce soir-là à Istres. Leurs morceaux allaient des chansons festives à des ballades plus typiques. Voici mon coup de cœur de la soirée. Greenlad, originaire de Rennes en Bretagne, nous a offert un beau petit spectacle avec leur électro celtique. Pas de basse, pas de batterie, juste des violons, de la cornemuse et de la flûte traversière, accompagnés par un danseur en claquettes d'une grande élégance qui est la cerise sur le gâteau. Le flûtiste est également conteur, nous transportant dans les mythes de la forêt de Brocéliande. De temps à autre, une voix off se joint à eux pour nous narrer une histoire. Ce que vous devez savoir, c'est que Greenlad est un groupe remarquable qui nous a fait faire une belle soirée. De plus, ils seront en concert au festival Écho et Merveille du côté de Toulouse au mois de mai. Si vous y allez, je vous invite vivement à assister à leur spectacle parce que c'est un ordre. À propos du concert de Greenlad, il y a une anecdote où à un moment donné il y avait un morceau où il fallait trouver un partenaire pour faire une sorte de danse bretonne, mais comme un slow où il fallait où ça se dansait à deux. Mais breton, désolé, j'ai pas le nom de la danse. Et en fait, c'était très sympa ce passage-là. C'est juste que ben, moi je n'avais pas de partenaire. Je regardais les autres, mais j'osais pas trop demander tout ça parce que ben voilà, je suis un peu timide. Et en fait, il y a une dame qui avait à peu près quoi, la soixantaine d'années, qui est venue pour être ma partenaire pour cette danse. Donc, bon, moi, j'avais un peu oublié les pas qu'il fallait faire et tout, donc j'ai un peu dansé un peu comme un pitre. Mais mine de rien, c'était très sympa d'échanger ça avec cette dame qui est venue danser avec moi. Donc, ben, merci à elle d'avoir passé ce petit moment fort sympathique et voilà, c'est des petites anecdotes de concert. Avant de passer au dernier groupe, faisons une petite pause culture. Il faut savoir que le véritable nom de Saint-Patrick serait Maewyn Sukat. Il serait donc gallois ou écossais, mais le lieu exact est encore un vaste sujet de recherche. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le jour de la Saint-Patrick aurait été célébré pour la toute première fois à Saint-Augustine en Floride en 1601. Le premier défilé en Irlande n'a eu lieu qu'en 1903, dans le comté de Waterford, comme ce que je l'ai dit un peu plus tôt. Nous savons tous que le vert est la couleur synonyme de la Saint-Patrick, mais avant que le vert devienne la couleur élue, c'est le bleu qui était associé à la Saint-Patrick. La signification du bleu remonte à la mythologie irlandaise, et les premières représentations du Saint-Patron le montrent en abordant le bleu de Saint-Patrick, nom sous lequel il est passé à la postérité. Selon la légende, savez-vous ce qu'on cherche en Irlande ? Les serpents. La fable raconte que Saint-Patrick, ayant été attaqué par des serpents durant un jeûne de 40 jours, chassant toutes ces créatures de l'île de l'Irlande et les précipita dans la mer. Et pour finir, savez-vous où nous pouvons trouver la relique de Saint-Patrick ? À la cathédrale de Doyne,
Saint-Patrick aurait été enterré dans la cathédrale de Doyne. Ses magnifiques vitraux, ses bancs fermés et son beau buffet d'orgue donnent à cet imposant édifice un air d'opulence. Alors, une autre petite anecdote avant de passer à la tête d'affiche, c'est-à-dire cette kilt. Eh bien, en fait, il y avait un petit garçon que j'ai croisé dans les toilettes. Il m'a vu arriver en kilt, parce qu'en fait, vu que c'est le kilt, c'est un groupe où il porte des kilts, bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, fallait quand même que je vienne en kilt. Ce petit garçon vient me voir et il me fait: vous êtes un membre du groupe qui joue ce soir? J'ai ah non, désolé, je ne suis pas un membre du groupe Stelkilt, désolé. Mais c'était mignon parce que bah, ce petit garçon est fan a l'air d'être fan de ce groupe en tout cas. Et c'est vrai que c'est quand on me confond avec un musicien de ce genre, ça c'est flatteur, c'est rigolo. Originaire du département 42, Selkilt fusionne des sonorités du punk rock avec la musique celtique. Depuis le début des années 2010, ce groupe embrase les scènes de toute la France et même à l'étranger avec leur atmosphère festive, portant haut les couleurs du kilt. Selkilt s'est distingué lors des performances mémorables au Hellfest et au Festival Interceltique de Lorient. En 2013, ils ont même atteint la finale de l'émission emblématique « La France a un incroyable talent ». Personnellement, j'apprécie beaucoup ce groupe car il distille une ambiance joyeuse. Ayant malheureusement manqué leur performance à Lorient l'été dernier, je suis ravi de les voir de retour à Istres après une absence de 10 ans. Je n'avais pas assisté à un concert depuis le festival interceltique de Lorient l'été dernier. Ce festival m'a énormément plu et j'ai ressenti une vague de nostalgie en participant à la soirée de la Saint-Patrick. Déjà séduisante en 2022, cette fête était encore plus en 2024.
J'ai l'impression que beaucoup de gens l'aperçoivent comme une simple célébration communale avec des petits groupes folkloriques locaux. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les groupes présents depuis des années ont tous une belle carrière. La plupart ont déjà participé au Festival Interceltique de Lorient et d'autres événements renommés. Je me souviens d'avoir discuté avec quelqu'un qui était stupéfait de voir que le groupe écossais Manran a joué à Istres. Cette petite ville des Bouches-du-Rhône impressionne beaucoup en proposant des concerts de qualité, à l'image de ce que réalise l'usine, la salle mythique d'Istres avec ses programmes originaux. Quant à la Saint-Patrick, je ne la célèbre pas du tout pour l'alcool et les boissons, mais surtout pour la musique. J'ai découvert cette fête pour la première fois au début des années 2010 grâce au site JibJab. Je me souviens de l'avoir célébrée à la station du Super Dévolu près de mes terres natales et depuis, elle me tient à cœur. J'ai voulu réaliser cette vidéo pour vous inviter à participer à la prochaine édition, pour vous montrer l'ambiance de cette fête. Vous verrez que vous passerez une soirée formidable. Cette soirée me manquera sûrement le jour où je ne vivrai plus à Istres.